Et hey, c'est tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Clash Royale. Et aujourd'hui, comme promis, c'est la vidéo pour la bûche. Donc j'ai enfin récupéré les 15 000 d'expérience pour pouvoir améliorer deux niveaux étoilés. J'espère pas qu'il y aura plus de niveaux étoilés, non, sinon c'est pas grave, je le ferai sur une prochaine vidéo. Mais là, ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour améliorer la bûche et on va faire ça tout de suite. C'est parti. Alors, hop, sachant que regardez, ils ont mis maintenant des petites animations pour chaque carte, c'est vraiment hyper stylé. Je crois que j'en avais parlé dans le live Clash Royale. Franchement, c'est vraiment super stylé. Et regardez, on peut voir les attaques et tout. Et même pour toutes les cartes, hein, pour toutes les cartes, hein, même pour le mini P.K.K.A. et tout, je trouve ça vraiment cool, sympa de leur part en fait. Enfin, stylé quoi, ils ont eu une bonne idée de faire ça quoi. Donc c'est parti, on améliore la bûche niveau 13, niveau maximum, enfin, j'ai trop hâte d'essayer. Donc, ah j'ai que un niveau d'étoilé à mettre. Ah bah trop bien, oh, c'est parfait, bah on va faire ça tout de suite alors. C'est parti, bûche en or. Oh là là, trop bien, c'est la bûche en or. Par contre, ouais, je peux pas. Comment je pourrais faire? Parce que je voudrais peut-être prendre un screen et le mettre en. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Comme ça. Comme ça pourrait peut-être marcher. On va essayer. Je vais faire deux screens. Je sais pas si ça l'a fait. Ça l'a pas fait? Ouais, donc désolé, en fait ma tablette elle a crashé. Le jeu en fait il a crashé tout. Donc j'ai dû tout éteindre et tout relancer. Donc vraiment désolé. Donc là je suis trop content. Ouais, la bûche. Enfin la bûche. La bûche mec au maximum. Comment j'ai galéré pour l'avoir. Oh, je suis trop content de l'avoir enfin. Enfin! Oh là là, je l'attendais tellement. Ouais, go l'essayer. J'ai trop hâte. On va juste aller vite fait dans le chat. Sangoku, fais ton combat final. Tu le fais jamais. Ok. Moi, je participe pas au GDC. J'ai trop la flemme. Je vais vous faire un live après sur ça, sur les défis du tirage triple. Je vais vous faire un live où je vais tout débloquer avec vous et tout. Ce sera cool de faire ça avec vous. Et là, je vais lancer le combat. C'est. Attends, il y a une amélioration que je peux faire. Bon, on va faire ça. On va en profiter. Qu'est-ce que je peux améliorer? Non, pas ça. Non, retour. Qu'est-ce que je peux améliorer? D'accord, ça. Bah, c'est parti. Yes. Attends, c'est bizarre, ça m'a tout. Ah, ok. Ok. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ils vont plusieurs. Ok. Oh, c'est sympa. Hein. Franchement, les animations qu'ils ont fait, c'est vraiment sympa. Ils ont dû se chercher quand même à faire toutes les cartes et tout. Franchement, ils ont bossé à fond sur tout ça. Hein. Ok, bah voilà, donc voilà, Tinuche. Donc c'est parti, on lance le combat, allez. Avec la nouvelle map neige qui est hyper stylée, que je trouve vraiment super chouette. Ils l'ont vraiment très bien travaillé. Hein. Ils ont vraiment bien travaillé la saison de Noël. Je trouve qu'ils ont mieux travaillé la saison de Noël que la saison d'Halloween. Franchement, je pense qu'ils ont carrément mieux travaillé que la saison d'Halloween, c'est sûr. J'ai hâte de voir les skins de tour. Ça, ils étaient vraiment trop stylés. Donc là, je mets le mini PK. Petit mini PK qui va attaquer le petit sorcier. Ok. On va mettre la sorcière derrière. J'espère qu'elle ne se fera pas taper. Faudrait que j'ai. Attends. Les flèches. Parfait. Voilà.
Alors, on lui souhaite bonne chance, hein. Il a l'air sympatoche l'adversaire. Donc là, on gratte un peu de dégâts. Aussi sur la nouvelle mise à jour, maintenant, quand on est en combat final, on n'a plus d'égalité. Celui qui a le moins de vie à sa tour perd. En fait, la vie elle baisse et du coup, bah, il a automatiquement perdu. Donc là, il essaie de. Il va me. Non, c'est bon. J'ai réussi à repousser son attaque. Il va mettre le sorcier, je pense, ou la. Ah non, il va mettre. Ah non. Je pensais qu'il allait mettre la Valkyrie. Mais il l'a pas mis. Du coup, j'ai pu gratter tranquille avec le bébé dragon. Ouais, il est fou qu'il doit avoir. On va poser le sorcier. J'ai perdu des élixirs, je suis bête, j'aurais dû poser avant. Je sais plus s'il a une boule de feu ou non. On va faire comment. Est-ce qu'il va me laisser gagner là ou... C'est bizarre. Non, il va pas me laisser gagner. C'est juste ce que je me disais. On va lancer la bûche. Quand elle explose. Ouais. Bah je pensais qu'il y aurait plus de trucs dorés que ça, je sais pas, peut-être contre la tour, faudrait essayer contre la tour. Si j'arrive à avoir le temps, je lance contre la tour. Attendez, j'ai envie de tester de lancer contre une tour. Hop, on lance contre une tour pour voir. Bon, je sais pas, dès le lancer, je crois que ça fait des particules dorées. Mais de toute façon, là, j'ai gagné sur... Tranquille. Ah, c'était tranquille, ce petit combat-là. Non, franchement, la bûche, elle est bien... En plus, là, j'ai amélioré niveau 13, elle est plus puissante qu'avant, elle fait plus de dégâts. Donc maintenant, ça peut anéantir les cartes niveau 13 qui me saoulaient. J'arrive pas à anéantir en moins de 2 secondes. Franchement, là, je suis content. Elle est vraiment plus puissante qu'avant. Vraiment trop stylé, le côté doré, le fait qu'elle soit légendaire en même temps. Tout ça en même temps, ça fait trop du bien de l'avoir comme ça et tout. J'ai tellement galéré pour l'avoir comme ça. Voilà. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait mon petit gameplay et tout. J'ai fait tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bah, je vous invite à la liker, à la partager, à donner votre avis dans les commentaires, et je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne qui s'appelle AndianJM. Je fais principalement des jeux vidéo sur mobile. Voilà. Et c'est tout, donc je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ça, les gars, je vous dis à la prochaine. Bye.